Donc je vais essayer de régler un peu ça. Dites-moi si le son est OK dans le chat. Je vais peut-être redresser un peu, non? Ça dépend à quelle distance on se met. Voilà. Alors. Boum. Donc, est-ce qu'il y a un petit peu de monde connecté ou pas encore du tout? Hop. On va même plus vous représenter parce que maintenant, les replays des autres, tu vois. Ok, bon allez, on va se lancer direct. J'ai ça qui est là. Je vais me mettre comment? Je vais me mettre comme ça, je pense. Boum. Hop. Ok. Alors juste, j'ai pas eu de retour sur le son, donc j'espère que le son est ok. Hello Pierre, est-ce que tu m'entends bien? Pour être sûr avant de me lancer que le son fonctionne correctement. De Bastia. Tac. Ok. Alors Pierre, est-ce que tu m'entends? Bon. Allez, on va se dire que le son fonctionne. J'espère. Comme j'ai pas de réponse, j'espère que c'est bon. Et puis on va se lancer directement pour la petite séance. Donc aujourd'hui, il y a deux personnes qui sont venues s'entraîner avec moi. Cette fois, je ne suis pas tout seul. Donc voilà, c'est toujours plus sympa quand on est en groupe. On a un groupe de personnes qui fait du molki juste à côté, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. Mais voilà, on est dans un spot sympa. Donc si je vois qu'il y a un peu de monde qui se connecte, là, s'il y a quelqu'un qui peut me dire si le micro fonctionne, si vous m'entendez bien ou pas. Comme ça, je peux démarrer la séance. Yes, ok, ça marche, super. Allez, on se lance alors. On se fait un petit échauffement articulaire pour commencer. La tête de gauche à droite. De haut en bas. Épaule, épaule. Rotation. Dans l'autre sens. Les bras. Boum. L'autre sens. De haut en bas. Bon, c'est cool, vous vous entraînez souvent ensemble du coup. C'est bien ça. Ouais, c'est chouette. C'est pareil avec ma femme. Il n'y a pas d'embrouille à la maison comme ça. Ouais, Il n'y a pas c'est de trucs clair. trop. Voilà. Poignée. Vous faites un peu de sparring parfois ou ouais. Ça c'est bien, c'est sain moi je trouve. L'autre sens c'est pareil avec ma femme, on se tapait souvent dessus. Bon là. Sort de grossesse, il va falloir attendre un peu. Ouais, on secoue. Mais ouais, je trouve ça hyper sain. Le coude. L'autre côté. Ok, le bassin. Bon. Dans l'autre sens. Les genoux. Deuxième entraînement de la journée pour toi. Ça va piquer un peu, l'autre sens. Ah ouais, ah oui, c'est vrai que À froid, à chaud. tu avais eu des blessures, c'est ça? Ouais, des opérations. C'était les croisés? Ouais. Pieds joints, les deux genoux? Les deux, et puis le genou gauche, je me suis arraché la greffe. Ah ouais. Voilà. J'ai pas envie de refaire opérer. Ouais. Ouais, donc là pour les pivots, ouais, ça va, ça passe quand même. Ouais, ça va. L'autre sens, ouais. Bon, Je sais de pas si haut tu en as bas. vu Khabib Rountree là, Ouais. il a fait un énorme chassé latéral sur un genou. Ok, j'ai pas vu récemment, mais je vois Oh, qui c'est, ouais. il a pris le combat comme ça, tu vois le genou qui craque. Ah ouais? Et ma greffe, en fait, c'est comme ça qu'elle est partie sur un chassé latéral en française. Ah ouais.
Ça, c'est le problème. Moi, c'est le genre de technique que je n'ai jamais laissé utiliser mes élèves à l'entraînement. Ça suffit pas du tout qu'ils soient pas contractés. Et ouais. Il n'y a pas besoin de force. Hein. Non, l'autre côté. Mais là, c'était terrible. Il a mis plein de bourre. Ouais. Tu vois le genou qui se plie. Enfin, le ralenti, ouais. C'est abominable. Ouais. Et bah. Oui, bah, de toute façon. C'est une technique qui est faite pour arrêter le combat rapidement. Hein. L'autre sens. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Mais je crois que c'était Wonderboy aussi qui s'était pris à l'UFC, qui s'était pris un coup comme ça aussi. Et qui était pas content du coup. Qui disait ouais mais c'est pas. Genre c'est pas joli, c'est pas une belle technique de faire ça et tout. Enfin bon. Dans MMA, c'est autorisé. C'est comme ça. Hein. Ouais. Ok, je pense qu'on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. On va commencer le premier round, ça va être un round de déplacement pour un peu travailler les deux types de pivots qu'on va faire. Donc il y aura le premier pivot qui va être ce que j'appelle le compas, donc simplement venir pivoter et retrouver sa position ici. Donc le compas, parce que c'est la pointe, le crayon, boum, comme ceci. Ok. Et le deuxième, on va travailler un pivot en compas intérieur, mais avec un pas en diagonale ici. Donc on va travailler une fois le pas ici, et la deuxième fois, on viendra faire son pivot là. Ok. Donc ça, et ensuite, on va placer ça dans des enchaînements. Mais on va commencer par travailler déjà que les déplacements. Comme c'est des choses que parfois certaines personnes n'ont pas l'habitude de faire, je préfère qu'on mette en place d'abord les déplacements, et après, on va les mettre en pratique dans des enchaînements. Allez, on se lance. Donc, on commence à se mettre en mouvement. On aura trois temps. Premier temps, ça va être donc le compas extérieur. Ok. Ensuite, je reviens. Je vais faire juste un pas en diagonale, comme si je faisais une esquive. Mais en même temps, je vais venir là. Et le troisième, je fais mon compas à l'intérieur, ici. Ok. On bouge et on recommence. Compas extérieur. 1. Boum. 2. Le pas ici, avec l'esquive. Et 3. Avec le compas. Boum. Ok. Encore. 1. Boum. 2. 3. Boum. Et 1. 2. 3. Boum. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. On bouge. Et 1. 2. 3. 1. 2. 3. Hop là. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. Ok. 1. 2. Trop compliqué de faire le tour a priori. 3. Hop, hop.
Ok, on souffle. C'est ça, il voulait faire les décalages, c'était non, c'est pas trop le truc quoi. Alors, on va faire jab, uppercut arrière et un contrôle du bras avant. Donc en fait, je suis là, je fais 1, 2 et 3, je mets un contrôle. Donc pour l'instant, il n'y a pas de décalage. Comme si je l'étais rentré dessus, je fais 1, 2 et là, je mets un contrôle ici. Ok, pour le gêner ou contrôler ses bras. Donc c'est pas une frappe. Ok, donc numéro 1, juste le jab. Oh. Numéro 2, je mets mon uppercut de l'arrière en me rapprochant. Bah, bam. Et numéro 3, je viens mettre mon contrôle du bras avant. Boum, 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 ici. L'autre bras en protection. Allez, 1, 2, ah, bam. 3, hop, hop, bam. Ici, 1, 2, hop, 1. Pivot sur l'uppercut. 3, hop, 1, bam. 1, 2, bam, bam. 3, hop, hop, 1, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 1, ouais, 2, hop, boum, yes, 3, hop, 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 yes, et 1, 2, pa, pa. 3, pa, pa, ha. On peut le laisser un peu le contrôle, on lui met un peu de pression dessus. 1, 2, pam. 3, pam, pam. 1, 2, 3, pa, pa, pam. 1, 2, pam. 3, pam, pam, pam. Ça peut être un contrôle, ça peut être un barrage, mais on met la pression. 1, l'idée c'est de le gêner et de l'empêcher d'utiliser ses bras pendant un instant. 2, pam. 3, pam, pam. 1, 2, 3, pam, pam. Ouais. Et 1, 2, bam, bam, 3, bam, bam, 1, 2, 3, bam, 1, 2, bam, 3, bam, bam, bam. 1, 2, bam, bam, 3, bam, 1, bam, 2, 3, bam, bam, et on souffle. Ok, on récupère. Donc là, on ajoute deux mouvements. On va faire le compas extérieur sur le contrôle. Donc je vais faire 1, 2, 3, boum. D'accord ? Donc en fait, on peut rester, en rajouter juste un temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça sur place, je vais faire pa, pa, boum, ici, oulam, et ensuite j'aligne. Ok ? Allez, donc numéro 1, le jab. Boum. Numéro 2, l'uppercut. Oh, oh. Numéro 3, je fais mon contrôle, mais avec le compas extérieur. Pa, pa, hop, ici. Et numéro 4, j'aligne avec mon cross. Hop, pa, hop, boum. Au moment où je retire ma main, je remplace par mon cross. 1, 2, 3, pa, pa, 4, boum. Et 1, 2, pa, pa. 3, oh, oh, hum. 4, pa, pa, hum, ram. 1, 2, oh, hum. 3, pa, pa, hum. 4,
1, 2, vous pouvez faire le tour. 3, pas. Non, devant la caméra. C'est pas grave. 4, pas. Hop, boum. J'ai essayé, hein. Et 1, c'est pas grave. 2, 3, pas. Ouais. 4, boum. Et 1, 2, 3, boum. 4, oh, boum. 1, 2, boum. 3, oh. 4, boum. 1, 2, 3, 4, hop, boum. Et 1, 2, 3, 4, hop, boum. 1, 2, 3, 4, hop, wow. 1, 2, 3, 4, hop, boum, essoufflé. Ok, on récupère et on va passer à un autre enchaînement. Ok. Donc, c'est là où on va travailler celui qui est un peu plus dur. Donc ça va être jab, jab cross, jab cross, l'esquive un peu comme avec le demi-pas intérieur qu'on a fait. Et ensuite, avec le compas. Ok, voilà, yes. Donc numéro 1, le jab. Ah, numéro 2, le cross. Bon, bon. Numéro 3, on fait l'esquive avec le pas. Donc c'est comme s'il y avait un direct qui arrivait et j'avance à l'extérieur. 3, pas, boum, ok. Et 4, je fais mon compas. Pas, hop, boum. Et on recommence. 1, 2, pas. 3, pas, boum. 4, pas, boum. 1, 2, 3, boum. 4, papa, boum, boum. 1, 2, boum. Ouais. 3, papa, boum. 4, papa, hop, boum, yes. Et 1, 2, 3, papa, boum. 4, papa, boum, boum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
3, 4, 1, 2, 3, et 4, hop, et on souffle. Ah, on est pas mal là. On va se mettre cross, uppercut avant au corps. Donc là, bam, bam, j'imagine il me répond en direct, boum, boum, de là, cross, uppercut au corps. Voilà, tac, c'est qu'en fait je suis là, boum, boum, il me répond en direct, je viens là, je reviens, boum, boum, ok. Allez, on y va. Numéro 1, le jab, toujours. Bam. Numéro 2, on ajoute le cross. Ah. 3, le demi-pas intérieur. Ah. 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 4, le compas. Pas, pas. Ah. Ah. 5, le cross. Pas, pas. Ah. Ah. Boum. Et 6, l'uppercut au corps. Pas, pas. Hop, hop. 1, 2, 3. 3, pa, pa, 4, pa, pa, 5, pa, pa, hop, hop, boum. 6, pa, pa, hop, hop, boum, boum. 1, 2, pa, pa. 3, pa, pa, 4, papa, 5, papa, boum, boum, 6, hop, 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 boum, boum, 1, 2, 3, 4, papa, 5, papa, hop, hop, bam, et 6, papa, hop, 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 1, 2, 3, 4, papa, hop, hop, 5, pa, hop, 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 et 6, hop, 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 boum, boum, 1, 2, 3, bam, bam, 4, pa, pa, bam, 5, pa, pa, oh, 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 oh. 6, oh, oh, ouh, boum, boum, 1, 2, 3, papa, boum, 4, boum, et soufflez, on récupère. Ça va? Il y a un bon rythme là, ça va. C'est moi, je suis en direct, je suis en live là, ouais. On parle après si vous voulez, si vous êtes là jusqu'à la fin. Vous n'avez pas fait l'échauffement et tout. Semaine prochaine, joueur. Semaine prochaine si vous voulez. Ça marche? Ok. Donc là, on rajoute. Je suis arrivé là, j'avais fait mon cross, mon uppercut au corps. Je remonte en crochet, donc même bras mais à la tête. Et je remets un cross pour terminer, mais un cross un peu plongeant qui peut venir passer au-dessus de l'épaule. Ok? Donc on reprend ensemble. Numéro 1, le jab. Ah. Numéro 2, jab cross. Ah. Ah. Numéro 3, avec le demi-pas intérieur. Boum. 4, on met le compas. Pa, pa. Ah. 5, on remet son cross. Pa, pa. Hop. Oh. Boum. Je prends bien le temps d'avoir un bon appui avant d'envoyer. 6, l'uppercut au corps. Boum. Hop. Hop. Boum. Boum.
7, je remonte en crochet du bras avant. Pa, pa, ah. Boum, boum, boum. J'ai foiré mon déplacement. Et 8, je remets un cross plongeant. Pa, 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 pa. Oup, ram. Ok, on termine. Allez, 1. On est sur une séquence de 8, là c'est du long. 2, ah, ah. Faut réussir à suivre. 3, pa, pa, hop. 4, pa, pa, hop, ham. 5, oh, ah, hop, ham, mom. 6, ham, hom, wam, wam. 7, pa, pa, wam, pam, ham, ham. Je retransfère bien mon poids du corps vers l'arrière sur le crochet au visage. 8, pa, pa, hop, pa, ha, ha, wam. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, papa, homme, ouh. 1, 2, 3, papa, homme, 4, papa, homme, 5, papa, homme, ouais, 6, hop, oh, oh. 7, pa, pa, hop, hop, ouh, 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 8, pa, pa, hop, oum, oh, 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 ouh. Allez, 15 secondes là. 1, 2, 3, pa, pa, 4, pa, pa, 5, pa, pa, 6, pa, pa, 7, pa, pa, et 8, papa, ouh, mais on souffle. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. On a terminé en beauté. Donc là, on se prend 2 minutes de break. Et on va faire un petit 7 minutes de prépa. Donc j'avais prévu ça, ça et ça, ok. Alors, on aura 10 fentes latérales, sauter, alterner. Ou alterner, sauter. Sauter, pas obligatoire pour ceux qui veulent. Grosso modo, pieds joints, je viens ici en fente latérale, je saute et je passe de l'autre côté. Boum, boum, ok. 10 en tout. Ok, donc ça c'est assez facile. Des pompes, j'ai appelé ça, il y a plusieurs noms, c'est les pompes asticots, là, les inchworm push-ups. Donc on part d'ici, je descends, je reviens toucher les pieds et je repars. Boum ! Chaque fois je touche bien mes pieds, même si j'ai pas les jambes tendues, j'ai pas la souplesse, peu importe. Et après on termine avec des crunchs, où on va bien uniquement travailler, enrouler que le... au niveau thoracique, pas plus, on met pas d'élan ou quoi que ce soit. On enroule tranquillement, on cherche bien la contraction, on essaye d'aspirer plutôt le nombril pour pas pousser sur ses abdos, c'est pas excellent. Et ça on en fait 10, ok? Donc on a 10 fentes, 5 pompes, 10 crunchs. Et on part dans 10 secondes. Pendant 7 minutes en boucle, chacun à son rythme, vous faites le max. Toi tu vois par rapport à tes genoux si ça va ou pas. L'idée c'est je viens, prêt, là. Ici, je saute et je passe de l'autre côté. Hop, 3, hop, 4, 5, 6. Si vous ne pouvez pas sauter, vous ne sautez pas. 7, 8, 9, 10. Ok, là, hop. 1, 2, 3.
boum. Et les crunchs, moi je les fais pied au sol. J'enroule juste au niveau thoracique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sans élan, 7, 8, 9 et 10. J'aime bien mettre les poings sur les tempes et ouverts. C'est un peu plus dur que de refermer en fait. Allez, on est reparti. Je me mets là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, boum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toi, tu nous fais une variante. Mais là, c'est pas grave. Moi aussi, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'es rincé? Ah, tu vois, c'est la fatigue de la séance du matin, ça. Plus de lucidité. Tac. 1, 2, 3. Hop, 9. Grand écart accidentel. Ça glisse. Là, j'ai les chaussures de salle, elles sont pas faites pour dehors. 2. 4. 5. Hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh. Ok. Allez, 2 minutes 15 encore. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. 1, 2, 3,
6, 7, 8, 9, 10. Allez. Allez, dernière minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 5. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. C'est la fin. 9. Et 10. Ok, soufflez. Ah, hi, ça va les genoux? Ça a glissé? Ouais. Merde. Déboîtage. Aïe. Pourtant, il n'y avait pas de pivot sur celui-là. Mais ça a la glissade. Ouais. C'est pas très bien. Bon. Ça arrive souvent. De temps en temps. Ouais. Bon. Mais heureusement, il a une infirmière à domicile. Le glacer, le masser. Bon, bah en tout cas. Merci. Merci. Merci, c'était cool. Ça va, ça a été. Ouais, bravo, le bisou de la fin. Où est ma femme pour faire le bisou aussi, moi? À la maison avec les deux petites. Ouais, c'est ça. Voilà, normalement, c'est la sieste, théoriquement, si tout se passe bien. Un petit peu de temps de tranquillité. Alors. Et ben voilà, une nouvelle séance en live d'effectuer. Ça a bien bossé par ici. Ouais, on profite bien de la météo. Voilà. Donc, on a un petit groupe animé derrière là. C'est pas la même dépense physique du tout. Molki, pétanque et bière. Voilà. Ça laisse rêveur. Hey. On va peut-être y aller. Hey. Vous allez vous incruster. Ouais, moi non. Voilà, ouais, c'est vrai que je pourrais. Bon, bah en tout cas. À une prochaine sur YouTube ou en vrai. Et puis, bah, bon week-end à tous. À très salut vite. Ciao. Ah.